Bonjour, Geneviève est avec vous. Aujourd'hui, je vous lis un documentaire de la collection Le Tour du Monde. C'est une de mes préférées. Le livre s'appelle À deux, c'est mieux. Au Rajasthan, les enfants sont habitués très jeunes à s'occuper de leurs petits frères et sœurs quand papa et maman travaillent. Enfant, on apprend beaucoup avec ses parents. En Éthiopie, cette mère montre à son fils comment préparer le repas. Alors, on voit les petites sœurs ici et maman et son fils. Quand on se sent fatigué, on est bien mieux sur le dos de papy. Ce petit Pakistanais ne nous dira pas le contraire. Cette jeune berbère du Maroc a l'habitude de porter sa sœur, qui ne sait pas encore marcher, dans une grande couverture. Elle n'a pas l'air très vieille, la sœur, non plus. Dans ce village du Mozambique, il faut piler le mil en tapant fort avec un gros bâton. Plus facile et plus amusant si on est deux. En Inde, ses enfants doivent se laver tout seuls avec l'eau de la rivière. Entre frères, c'est bien plus rigolo. Dans ce village de l'Himalaya, les conditions de vie sont très difficiles. Il n'y a pas d'eau courante, alors il faut s'entraider. Tu vois, il y a la théière pour remplir d'eau et se laver les mains. Dans beaucoup de pays, les enfants participent aux tâches ménagères. Au Tibet, ce garçon aide sa maman pour la lessive. Ils vont laver le linge. Sais-tu qu'est-ce que c'est, ça? En Asie, planter le riz est très long et vraiment fatigant. Pour ces femmes, mieux vaut travailler ensemble. En Chine, l'heure de la récolte des feuilles de thé est arrivée. Malgré la pluie, cette fillette aide sa maman. Ça ira plus vite. Cette grand-mère indienne aime s'occuper de sa petite fille. La coiffée est l'occasion de passer un bon moment ensemble. Pour chauffer les maisons indiennes, il faut ramasser du bois en forêt. Avec de l'aide, c'est plus facile de porter un lourd fardeau. En Birmanie, ces enfants transportent une lourde marmite de nourriture. Oh oui, à deux, on est plus fort. Sur ce marché flottant du Vietnam, ses sœurs vont vendre de la nourriture. L'une rame pendant que l'autre nettoie les plats. Ils sont sur l'eau, dans un bateau. Sur les hauts plateaux de l'Himalaya, ce père apprend à son fils, à son jeune fils, tous les secrets pour devenir un bon berger. Si tu regardes à l'arrière, on voit des moutons. Un instituteur aime apprendre aux enfants ce qu'il sait. En Éthiopie, celui-ci fait découvrir les chiffres à cette jeune fille. Une même table pour le repas et les devoirs? Peu importe, pour ces écoliers chinois, c'est plus sympa de travailler avec un ami à côté. Dans cette école pauvre d'Inde, les élèves ont un seul cahier pour deux. Ils se le partagent et travaillent ensemble. L'awale est un jeu africain où l'on déplace des cailloux et des graines dans des trous, idéal pour jouer à deux. «
Les échecs demandent beaucoup d'entraînement et de patience. Ce père kazakh explique à son fils les règles pour bien jouer. Cette vieille indienne apprend à son arrière-petit-fils une danse ancienne. C'est comme ça que se transmettent les traditions. Dans un village du Niger, ce grand-père non-voyant a besoin de sa petite fille pour le guider dans le village. Alors, il ne voit pas, c'est elle qui l'aide à se déplacer. Quand deux personnes s'aiment, elles prennent soin l'une de l'autre. Voici un couple en Afrique du Sud. Cette femme et cet homme indien veulent vivre ensemble. Ils ont donc décidé de se marier lors d'une grande cérémonie. Ce moine du Tibet est un médecin. Il est en train de prendre le pouls de cette fillette nomade pour être sûr qu'elle va bien. Dans des pays qui ont peu d'hôpitaux, comme au Ghana, des docteurs européens vont parfois aider à soigner les enfants. Je suis sûre qu'il y a des docteurs américains aussi. Au nord de l'Amérique du Nord. Pour gagner la course, ces deux athlètes américains doivent se passer très vite le relais. Il faut se faire confiance. La plongée sous-marine est un sport un peu dangereux pour être pratiqué seul, même dans les fonds transparents d'Océanie. Dans une école cambodgienne, cette fille répète les mouvements d'une danse traditionnelle aidée d'un professeur qui... aidée d'un professeur. On apprend mieux. Une bagarre? Non. Ces jeunes moines Shaolin pratiquent le Kung Fu, un sport où on apprend aussi le respect de l'autre. Cet enfant américain a confiance en son papa et tente ses premiers pas. Bientôt, il marchera tout seul. Ça pourrait être un Canadien, un Américain. Et cui, 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 ce livre est fini. Au revoir!